Bonjour, je suis Prune Elfternoa, candidate de la France Insoumise aux élections européennes 2019. Ah, bonjour Prune. Bonjour Maxime. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Oui, je suis juriste aujourd'hui à Marseille depuis 2 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. J'ai vécu longtemps au Japon. J'ai dirigé l'antenne de Médecins du Monde, l'ONG médicale à Tokyo. J'ai aussi travaillé dans le secteur privé en France et un petit peu dans le secteur public au Japon à nouveau. D'accord. Donc là, tu as eu un engagement associatif et ensuite militant ou c'est tout récent? Alors, rien n'est récent. Rien n'est récent. J'ai eu un engagement associatif et militant depuis mes années étudiantes. Associatif pour les Restos du Cœur. Je participais aux caravanes à Place de la République quand j'étais à Sciences Po, donc ça remonte à il y a 20 ans. J'étais aussi bénévole, militante pour le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, où déjà à l'époque on faisait des dossiers pour aider les sans-papiers à obtenir des papiers. Pareil, c'était il y a 15 ans. Et j'ai eu ma carte au Parti Socialiste. Voilà, comme beaucoup à la France Insoumise, je crois, et j'ai quitté le Parti Socialiste en 2012, quand je suis rentrée en France, j'ai quitté le Japon, et que j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles. D'accord. Donc, tu parlais des Restos du Cœur, etc. C'est pas mal de problématiques. C'est des problématiques qui te touchent tout particulièrement, la pauvreté. Dans ton parcours militant dont tu parlais, quels sont les thèmes vraiment qui te... Oui, c'est pour moi complètement incompréhensible que la société en France et que le monde soit à ce point divisé entre ceux qui ont tout et ceux qui ont rien. Voilà, donc c'est vrai que naturellement, depuis toujours, mon engagement me porte vers ces causes-là. En France, effectivement, qui est des gens et de plus en plus de gens qui n'aient pas d'accès à un logement digne, à un logement salubre. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours à Marseille. C'est pour moi incompréhensible que la puissance publique ne puisse pas faire le minimum pour ses citoyens, que ce soit en termes de logement, d'accès à l'école, à la santé, que ce soit en termes d'accès à la culture, en termes d'égalité femmes-hommes. Je pense qu'on est en France quand même un grand pays et qu'il y a assez pour tout le monde. Et que la puissance publique doit d'abord veiller à ce que chacun ici ait le minimum. Et cet engagement pour plus de justice et plus d'égalité, je l'ai porté aussi au sein de Médecins du Monde, d'une autre manière, parce que ces inégalités complètement absurdes entre le continent africain et le continent européen, par exemple, ne sont pas insolubles et expliquent notamment les migrations actuelles. Donc on n'est pas démunis pour agir sur les causes des migrations, on n'est pas démunis pour donner un toit à chacun, ici et là-bas. Et simplement, tout est question de priorité, et je pense qu'on a souvent... pas placer les priorités au bon endroit. Voilà, je pense que la France Insoumise a pour ça un programme extrêmement cohérent et cherche à résoudre les problèmes principaux du plus grand nombre. D'accord. Donc en 2012, tu nous as dit que tu avais voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, pourquoi avoir rejoint la France Insoumise? Qu'est-ce qui a provoqué un déclic chez toi? Je ne sais pas, tu peux nous expliquer? Oui, alors effectivement, quand Jean-Luc Mélenchon est apparu dans le paysage politique en tant que candidat au présidentiel en 2012, pour moi, ça a été vraiment une révélation, parce que, pas tant à cause de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, parce que j'ai pas vraiment le caractère d'une fan absolue, enfin, c'est pas dans mes gènes, mais vraiment à cause du programme. Et ce programme n'a cessé de s'étoffer, notamment de manière extrêmement horizontale, en faisant appel à l'intelligence collective des Insoumis, à partir du moment où la France Insoumise a été créée, donc en 2016. Et c'est un projet qui est vraiment enthousiasmant à la fois sur le fond et sur la forme. C'est pour ça que j'ai souhaité rejoindre la France Insoumise et j'ai été candidate aux élections législatives en 2017, dans le département des Alpes-Maritimes, circonscription de Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var. On revient un petit peu sur les européennes, parce que tu seras sur la liste normalement de ces européennes. Mm-hmm. Et
Comment tu vois justement le travail qui pourrait être fait au Parlement et à Bruxelles pour, sur ces problématiques-là, par exemple? Comment tu imagines le groupe de députés insoumis après ces élections? Il y a différents types d'actions, parce que l'Europe est un espèce d'objet politique non identifié, comme disait Jacques Delors il y a fort longtemps, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas démocratique. Donc on se trouve dans le paradoxe un petit peu de vouloir envoyer à Bruxelles le maximum de députés insoumis, tout en sachant que les députés européens n'ont pas les pouvoirs et, qu'ils ont dans un État national. Donc on est un petit peu gêné aux entournures. Néanmoins, avec les réformes du traité de Lisbonne notamment, les députés européens ont aujourd'hui davantage de pouvoir qu'à l'origine. Donc l'idée, c'est vraiment de se battre sur chaque directive, chaque règlement, de faire des propositions de délibération qui aillent dans le sens du programme de l'avenir en commun au sein de l'Union européenne. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un autre travail à faire qui se passera en dehors des institutions européennes, qui est plus destiné aux citoyens français, qui est d'essayer de décrypter ce qu'est l'Union européenne et pour quelles raisons le carcan aujourd'hui des traités nous empêche de mener en France la politique humaniste, de relance, égalitaire et de justice sociale que nous souhaitons mener. Voilà, donc il y a vraiment ce double travail à faire, je crois, qui est extrêmement important. Au Parlement, etc., et un travail d'explication et de pédagogie. Voilà, et d'éducation populaire, parce que je pense qu'aujourd'hui, le constat est assez général sur les limites des institutions européennes, mais le diagnostic n'est pas totalement partagé. Je m'explique. Aujourd'hui, même s'il y avait une majorité de gauche au Parlement européen, on ne pourrait pas mener une politique de gauche en Europe. Ce n'est pas possible parce que c'est interdit par les traités européens, le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc tant qu'on ne touchera pas à ces traités-là, qui ont inscrit en fait dans le marbre un choix de politique économique qui est très spécifique, qui est le choix d'une politique économique austéritaire qui prive les États de tout levier budgétaire et de tout levier monétaire. Tant qu'on n'aura pas touché à ces traités et touché au statut de la Banque Centrale Européenne, on ne pourra pas mener en France la politique que nous souhaitons et la politique dont nous avons besoin pour résoudre les inégalités, les injustices criantes auxquelles nous faisons face aujourd'hui en France.